Non mais juste pour l'intro, j'aimerais que vous parliez de mon style en 2015. Sacoche, t-shirt bleu, Fire Dummy, YouTube. Hey, tu veux du shit? Ouais. Du bullshit de ta mère. Bref, on va commencer par les jeux PS4. Alors je me suis acheté 4 jeux PS4, dont Battlefield 1. Bon, je l'ai déjà Battlefield 1 sur PC, mais je joue jamais. Du coup, je l'ai acheté pour 10 francs, du coup c'est à peu près 7 euros par là. 15 euros Mass Effect, un jeu que je m'en battais complètement les couilles. Je l'ai vu et je me suis dit, ouais, allez, bref, on va l'acheter. Hein. Je l'ai même pas encore installé. Un jeu que je voulais, là, je le voulais, c'est The Walking Dead. Putain, j'ai le Okasada Run, genre les jeux à Showa, etc, tu vois. Très bon jeu, je suis à la saison 2, elle est magnifique. Et pour finir, The Crew 2, je voulais pas me l'acheter du tout, en fait, The Crew 2. C'est Claudio, Noah, Saïd, ils m'ont dit, ouais, bah va te l'acheter, mon frère, on va jouer ensemble. Je me suis dit, pourquoi pas acheter le 2, même si j'ai pas acheté le 1, pour jouer entre potes. Je vais tester, je pense, en live tout bientôt, ou une vidéo, je sais pas, en fait. Étant donné que je suis un grand fan de Rick and Morty depuis quelques temps, je me suis acheté une figurine pop. Rick and Morty, c'est Morty. Et là, je me suis dit aujourd'hui, c'était pas du tout prévu, mais alors du tout, hein, je me suis promené avec Luca et j'ai vu ça. Ah, attends, vous voyez pas? Le téléporteur de Rick and Morty, un truc qui sert à rien. J'ai payé ce truc 30 balles, la vie de moi, j'ai le seum. Mais elle est stylée, ça, niveau collecteur et tout, c'est stylé. Genre ça fait de la lumière, ça projette un portail sur le mur quand il fait nuit, etc. Peut-être je vous montrerai au montage. 30 balles cette dope, mais bon, collecteur, on va l'acheter. Je le trouve sympathique tout de même. Même si j'aurais pu m'acheter avec 30 balles autre chose, putain. Ensuite, pour finir, je me suis acheté aujourd'hui un truc que je sais même pas pourquoi je l'ai acheté encore une fois. Je vous ai dit aujourd'hui j'ai trop dépensé d'argent pour rien. Encore de la décoration. Je me suis acheté, c'est Luca. Luca qui m'a dit achète-le. J'avais le choix entre Superman, Sonic et tout. J'aurais bien voulu avoir Sonic et tout ou Superman, mais il m'a conseillé de prendre Mario. Du coup, alors on va ouvrir ceci. On ouvre. Tac. On va voir, on va mettre des piles aussi. Voilà. Bref, on va tester ça parce que pour ceux qui connaissent pas, bah j'avais déjà fait un unboxing, j'en avais déjà acheté un, c'est de Fallout. Tu vois, il s'allume, magnifique hein. À part ça, il s'allume la nuit. On va tester celui-là maintenant. Ce que ça donne. Alors, tac, ça se met comme ceci. Ensuite, ça comme cela. On va voir ça, mais franchement, je kiffe tout de même le Mario, c'est pas mal. Mais voilà, il faut que j'arrête avec la décoration, faut que j'arrête d'acheter, j'ai trop de déco. J'ai vraiment trop de déco et j'ai aucune place, que je vous dis, j'ai aucune place. Théma, où j'ai dû mettre mes jeux, putain, j'ai dû mettre la plupart de mes jeux ici, PS4, les autres en bas. Là, j'ai ressorti deux Lego, vous allez me dire, mais what the fuck, tu joues Lego? Non, non, c'est juste qu'à l'époque, attends, je reviens. Parce que quand j'étais gamin, quand j'avais 8, 9 ans, etc., j'adorais jouer au Lego, construire. Et ces trucs-là, c'est putain de cher, quand je me rends compte, ça coûtait genre 300 balles le Lego, etc. Et ils étaient dans la poussière. Je me suis dit, 300 balles, ça piquait, tu vois. Alors du coup, on va les ressortir et les mettre en décoration comme ça. Comme il l'a fait Skynex, c'est lui qui m'a redonné envie de les ressortir et les mettre. Donc récapitulatif, ah, je me suis aussi acheté des gants. Voilà, rien à foutre, des gants pour le sport. Récapitulatif, portal de Rick. Je me suis acheté un pixel de Mario. Une figurine de Morty, 4 jeux PS4, voilà, j'ai une cinquantaine de jeux de PS4 maintenant. C'était imprévu que je fasse cet unboxing, si vous avez fini, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je reprends les lives à fond à partir du 3 juillet. Voilà, parce que le 3, là, entre-temps, il y a genre des gens qui viennent à la maison, des imprévus, etc. Du coup, à partir du 3 juillet, je reprends les lives, je vais essayer de faire tous les jours un planning aussi. Essayer de le respecter, en tout cas jusqu'au 16 juillet, parce qu'après je pars en vacances. À la base, je voulais tourner une vidéo foot IRL, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, je pense qu'on va tourner ça bientôt, un slip and slide challenge. Du coup, à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les gars.